François, pourquoi Jean, comment ça va? Ça va? Ça va très bien, on a bien déjeuné, impeccable. On se retrouve au centre-ville pour parler de la Route du Rhum, du coup, qui va bientôt arriver. Donc c'est du 11 au 14, hein, ça je ne me trompe pas. Ça, 26e édition. Ok, 26e édition, ça fait pas trop, vous n'avez pas trop de fois maintenant, vous avez quand même 26 fois que vous faites des programmations, vous n'êtes pas trop fatigué? Non, parce que c'est, vous êtes toujours autant passionné de musique, donc le jour où ça sera plus le cas, je pense que naturellement, ça va s'éteindre. Il y a qui qu'on pourra voir cette année à la Route du Rock? Les groupes emblématiques, il y a Belen Sebastian, qui aura fêté ses 20 ans de carrière sur le festival. Ou un concert unique, hein, c'est ça? Un concert unique, ça fait un bout de temps qu'ils sont venus en France, j'espère qu'ils vont jouer des morceaux de leurs deux albums mythiques de Tiger Milk et puis Geoffrey Sinister qui sont parus tous les deux en 1996. Donc, on croise les doigts pour la setlist. Ça, c'est le gros nom, c'est le vendredi soir, je crois. C'est le vendredi soir. Ouais. Sinon, il y a Savages qui revient. C'est vrai qu'il y a une grande histoire d'amour entre le groupe et le festival, c'est la troisième fois. Tindersticks aussi le samedi. Avec la femme aussi qui leur a présenté son nouvel album qui paraîtra le 2 septembre. Ça sera le premier concert de la femme sur cet album ou... Non, ils ont fait quelques dates là, en juillet, mais pas beaucoup de dates. Donc, ça va être l'album à découvrir sur scène. Ouais. En tout cas, la programmation, j'ai l'impression qu'elle est très très rock cette année. Je ne me trompe pas, il y a un peu moins d'électro que les années précédentes. C'est un concours de circonstances ou c'est une volonté de votre part de revenir plutôt à l'esprit rock du festival? Ouais, c'est plutôt concours de circonstances parce qu'il y en a quand même, je dirais. Il y a Porta du Prince, hein, je crois, c'est ça? Ouais, il y a Fields, The Field. Ouais, The Field, il y a Rival Console, mais c'est des groupes qui restent dans une essence quand même électro. Gold Panda, après il y a des artistes qui sont vraiment à la frontière, comme The Avalanches, Soons aussi, le dernier album très très électro. Justement, là, il y a The Avalanches qui a un grand retour. Grand retour en France, c'est la seule date qu'ils vont faire ou comment ça va se passer? C'est la seule date française. Mais en fait, un peu par défaut, parce qu'ils sont uniquement sur ce créneau en Europe. On a la chance de pouvoir les attraper juste au bon moment. Et parce qu'ils étaient déjà venus à la Route du Rock auparavant? Ils ont joué, oui, en 2001, c'est vrai que ça a joué un petit peu aussi. Ça... Faut pas dire ça, Alban, ils viennent parce que c'est la Route du Rock, tout simplement. Ouais, voilà. Non, mais en fait, j'ai l'impression que la Route du Rock, c'est un festival que les artistes viennent et reviennent avec plaisir parce que ça se passe quand même plutôt bien, aussi bien, je pense, dans leur gars que dans le public, au final, et le public. Oui, il y a des groupes qui s'en souviennent. Après, il y a les agents des groupes qui leur rappellent les bons souvenirs aussi, parce que... Non, là je déconne, je pense que la Valenci, ils ne se souviennent pas de nous, mais je pense que l'agent français, il leur a rappelé que ça s'était bien passé, qu'ils avaient déjà joué chez nous. Donc en général, ouais, ils ont un accueil formidable dans le sens où ils se sentent en famille. Ils voient bien qu'autour d'eux, ce sont des artistes un peu comme eux, que c'est un concentré, quoi. Donc que c'est pas juste une date avec n'importe qui dans le festival. Et alors justement par rapport à la programmation, il y a quelques personnes dans le studio qui sont un peu pleins en disant qu'il n'y a pas de gros noms, malgré le fait qu'il y a une Belle et Sébastien, il y a Savage, ça a des noms super intéressants, mais il n'y a pas Radiohead ou d'autres systèmes. Les gens ont des attentes vraiment très fortes par rapport au festival, j'ai l'impression. Vous l'en sentez aussi de votre côté ou pas? À Radiohead, avec les gens nous donnent un million d'euros quoi. À peu près, ou puis je commence à jouer au loto pour nous, hein, mais. Après, ouais, au-delà des contraintes économiques, ce qu'on appelle les têtes d'affiche, bon, on ne raisonne pas forcément en termes de têtes d'affiche, découvertes, etc. Après, il y a des groupes qui ont une renommée plus importante que d'autres, mais on ne va pas dénaturer l'événement du festival pour avoir un nom plus grand public. Ouais, mais quelque part, d'avoir un nom comme Radiohead ou SZ au système, c'est une certitude derrière de vendre l'ensemble de la jauge sur les 3 jours. Oui, mais c'est pas... Après, bon, on va rentrer dans des détails qui sont moins glamour, mais il y a un niveau de cachet qui n'est pas amortissable, ouais, avec la jauge. Donc là, les groupes que tu cites, c'est pas amortissable. En 2016, c'est même pas la peine. On sait le niveau maxi qu'on peut mettre. Donc voilà, on joue avec ça. Hélas, on est limité par la jauge. Et puis aussi, on est des gens plutôt prudents, on sait qu'on a un festival assez fragile, on n'a pas de trésorerie d'avance, donc tous les ans,
pour être poli, on met les couilles sur la table. Donc on va pas non plus être totalement irresponsable et s'engager sur des artistes qui valent trop cher, en plus de tous les autres risques qu'on prend. Ça serait autant se dire, on fait la dernière, on finit en beauté, quoi. Alors, et qu'est-ce qui bloque du coup? Parce que le festival, il est fragile, mais ça fait quand même 26 ans que vous le faites, il y a quand même une belle notoriété. Il y a beaucoup de gens qui viennent à chaque année, même sans connaître la preuve, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de gens qui sont habitués à ce festival. Mais comment ça se fait? Pourquoi le festival est aussi fragile par rapport à d'autres qui, justement, ont une vraie machine économique derrière? Bah, parce qu'on est à 70% d'autofinancement déjà, et puis que quand ça se passe pas comme on veut une année, c'est dangereux, il ne faut pas qu'il y en ait une deuxième derrière, sinon là on est très très mal. Par exemple l'année dernière, on devait avoir Björk qui a annulé au dernier moment. Sa défection nous a fait perdre pas mal d'argent dans le sens où avec elle on faisait quasi complet et on amortissait tous les efforts financiers qu'on a fait pour mieux recevoir notre public. Donc là au final on perd plus de 70 000 euros sur l'édition 2015 avec un festival qui avait déjà une petite dette au préalable, donc ça commence à s'accumuler. Et c'est des petites choses comme ça qui font qu'à un moment, on est à 200 000 euros près, alors que d'autres festivals ne le sont pas, quoi. Ouais, c'est assez bizarre de se dire qu'en France, on n'est pas capable aussi d'organiser des gros festivals européens. Là, ça dit, Radiohead, il va jouer au Noce Festival à Lisbonne. Et c'est une question, en fait, de partenaires, de jauge, tout dépend de ça, finalement. Bah, le problème est, oui, c'est, on est 70% de financement, on a une aide publique qui est raisonnable, mais qui n'a jamais été complètement folle, en tout cas jamais à la hauteur de l'événement. Et on a un handicap avec les partenaires privés, c'est que les partenaires privés vont forcément aller là où le coût contact, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais c'est comme ça, est plus intéressant pour eux. Ils préféreront mettre 20 000 euros sur un festival qui attire 150 000 spectateurs que 15 000 euros sur la Route du Rock qui attire à peine 30 000. C'est, ça, voilà, c'est une histoire de coût contact. Alors là, actuellement, nous, on mise sur le mécénat. On travaille pas mal sur les dossiers de mécénat pour compenser tout ça. Mais le mécénat, c'est pareil, dans le milieu culturel, c'est déjà assez compliqué. Ça marche plutôt pas mal dans l'art lyrique, l'opéra, etc. Par contre, le rock, c'est pas encore trop ça, à part les grands festivals qui ont pris le train assez vite, comme les Eurocaines ou Hard Rock à Saint-Brieuc, qui ont un gros mécénat. Ah, mais surtout qu'après, ces festivals parlent de rock, mais c'est du rock qui reste très populaire. Vous, votre rock est très indé, on va dire dans une démarche très indépendante. Donc forcément, les noms que vous donnez peuvent dicter dans la tête de certaines personnes, mais pas pour la grande partie du public. Bah, t'as tout dit, c'est le problème. C'est le problème, c'est-à-dire que il faut être militant pour soutenir la Route du Rock. Et que ce soit les festivaliers, les bénévoles, ou les partenaires privés et même publics, parce que je sais que heureusement on a au sein des collectivités locales dans notre région des gens qui adorent le festival et qui sont vraiment conscients du problème qu'on a et du rôle qu'ils jouent. Moi je leur explique souvent que l'argent public c'est pour nous un socle vital. C'est pas un truc qui va nous aider à nous développer, c'est quelque chose qui va nous aider à ne pas mourir. C'est, ouais. La nuance, elle est là. Après, charge à nous de nous débrouiller pour nous développer. On va chercher des financements ailleurs, avec des partenaires privés, avec des mécènes. Si on ne peut pas, ben, on réduit la voilure. Et comme cette année, on risque de réduire un peu la voilure sur pas mal de choses. On est conscient qu'en santé de l'affiche, on va avoir une fréquentation à la baisse. Et donc, je dirais, on a cette chance d'être assez souple dans notre gestion. Alors du coup, on va parler de la billetterie. Justement, les billets des passes 3 jours sont à combien ? Sont à 80 euros, quelque chose comme ça. Alors de mémoire, ils sont à 85. 90 euros. 90. En fait, c'est un festival qui reste pas cher par rapport aux gros festivals français historiques. Oui, mais maintenant on a un public quand même qui compare beaucoup. Et 90 euros pour 30 artistes qui sont quand même quasi inconnus ou très indépendants, enfin très indés. Ils vont regarder ailleurs ce qui se pratique pour 90 euros, ceux en tout cas qui sont à la marge, c'est-à-dire que on a un public fidèle qui ne va pas se poser de questions. Pour eux, effectivement, c'est pas un problème de mettre 90 euros pour venir 3 jours à la Route du Rock. Par contre, le public qui va justement nous permettre peut-être d'équilibrer l'événement, c'est le public un peu à la marge, qui va venir par curiosité. Il va parce qu'il a entendu parler d'événements, parce qu'un copain lui a dit ça serait cool que tu viennes, tu vas voir, c'est vachement bien. Eh ben 90 euros, il va dire ouais, mais bon, je préfère mettre 90 euros là-bas parce qu'il y a Bidule qui joue et je le connais mieux. Je vais avoir une rentabilité immédiate de l'argent que je vais investir. Ouais. Bon, en tout cas, il y a une bonne nouvelle, c'est que là, on se retrouve au Fort de Saint-Père parce que c'était pas gagné d'avance, hein, je crois, de garder ce lieu emblématique du festival. Là, tout est OK, du coup, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue adaptation du lieu, etc.
Oui, bah, y a eu des travaux qui ont été faits, hélas, ils n'ont pas été faits en totalité. C'est vrai qu'on est un peu déçus parce qu'au bout de plus de 20 ans, on espérait vraiment que, quitte à faire le travail, que ce soit fait totalement et bien fait. Voilà, bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. Et puis, on ne va pas rentrer dans des polémiques, mais c'est vrai qu'on n'est pas totalement satisfait. Et puis les rapports ne sont pas forcément ceux qu'on espère avec une municipalité qui reçoit un événement international. Sans être présomptueux, je pense qu'on est un festival qui est maintenant bien reconnu, qui amène quand même une belle image pour tout un territoire. Et hélas, sur certains endroits, sur la commune de Saint-Père en l'occurrence, c'est compliqué. On a des rapports qui ne sont pas limpides et c'est dommage. Oui, mais alors en plus on parle du territoire justement on parle du territoire justement de la zone de Saint-Malo, mais on parle de la ville parce que le festival est à la fois au port de Saint-Père, mais sur la plage aussi. C'est quand même très particulier de se dire qu'en Bretagne, on peut faire la fête sur la plage avec des concerts justement de petits labels indépendants. C'est la particularité aussi du festival, je crois, non ? Bah, Saint-Malo, pour continuer à parler de l'implication des élus, Saint-Malo, ça se passe merveilleusement bien, il n'y a aucun problème. C'est justement, je pense, une ville qui a bien compris que ben, l'événement est un événement à part entière de la ville, dans la vitrine, entre guillemets, de la ville. Et donc c'est vrai qu'on avait fait aussi cette scène à la plage pour ça, c'est-à-dire que c'est important que le festival soit présent physiquement aussi à Saint-Malo. Donc là, on est vraiment en bas des murailles d'Intramuros. On défend effectivement une scène très indé, hein, une scène française, c'est important de le signaler, parce que beaucoup de gens nous disent « ouais, vous faites beaucoup de groupes anglo-saxons, vous êtes limite raciste, anti-français, etc. » Et ben non, et là, on fait depuis quelques années le défrichage d'artistes français, n'en déplaise à ceux qui nous trouvent trop anglo-saxons. Mais c'est parce que aussi la scène indépendante internationale et anglaise est quand même plus puissante et attire beaucoup plus de monde. Aussi le reconnaître. Là, il n'y a que la femme en termes de gros noms, en termes de gros groupes français rock qui peut éventuellement jouer sur la route du rock. Il n'y a pas forcément d'autres groupes français à valeur, vraiment grosse valeur, qui pourraient venir, tout simplement. On ne peut pas faire les insus, ouais, là, voilà. C'est sûr. Et ça aurait été une bonne idée. Non. Bon, à la plage, ouais, sur un radeau. Sur un radeau, c'est partant avec la marée. Voilà, très très loin. Bon, bah en tout cas, je vous remercie. On se retrouve dans quelques mois, même pas un mois et demi, à la route du rock, du 11 au 14. Ouais, ça va venir vite. Super. Bon, à une prochaine. Ciao. Salut.